Salut tout le monde, alors nous voilà dans un nouvel épisode de Tomb Raider, j'espère que l'épisode va vous plaire. Donc la dernière fois, on s'était, je crois qu'on est à la fin du jeu, hein. On avait récupéré l'Atlas, qu'il fallait donc ramener à Jacob. Donc là, on l'a donné à Jacob, et ça nous est retourné donc au complexe soviétique, où là, j'ai donc stoppé l'épisode. Voilà, donc là, normalement, c'est la suite. On va modifier aussi autre chose parce qu'il y a un truc qui me gave là et à chaque fois ça s'affiche et je n'aime pas que ça s'affiche. Donc je m'excuse à l'avance pour l'écran noir que vous avez actuellement là. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà. Ceci devrait régler les choses. Alors, retour au complexe soviétique, donc un endroit qui va vous être assez familier parce que on y est déjà passé. C'était le fameux endroit où on avait machiné les antennes. Donc là, j'étais montée ici parce qu'en fait... Ouais, voilà, c'était là-bas. Donc je sais plus. Ouais, en fait, faut que je monte comme ça. Ça va commencer. Bon, moi et les jeux de plateforme, hein, ça fait deux. Vous devez le sentir quand même un petit peu, non? Je suis tellement pas sûre de moi, c'est abusé. Enfin, ça dépend des passages, mais bon. En fait, je trouve que les touches au clavier sont pas pratiques. Bon, c'est vrai, je pourrais les changer aussi, mais bon. Maintenant que je suis habituée là. Allez, accroche-toi, Lara! Il faut qu'on monte! Va où? Où va nous amener la suite de l'aventure? Bon, c'est vraiment un jeu couloir, hein. C'est vraiment dommage. Autant les premiers Tomb Raider, je me répète peut-être, remarque. Je vais arrêter de radoter. T'as indiqué sa visée. monte, Lara, monte. Bah, on va monter par là. Hein. S'emmerder. Hein. On a des piquets, hein. C'est pas fait pour les chiens non plus. Hein. Ouais, un autre feu de camp. Flèches crantées, lancer des flèches à escalader dans du bois tendre. Donc ça veut dire, Lara, il faut que tu utilises tes flèches crantées là. Te revoilà. Si t'as encore de l'or pour moi, je te l'échange contre du matériel. Je crois pas qu'il nous ait repéré, mais essaie d'être discrète, ok? Ascenseur à cordes. Ouais. Le silencieux, peut-être à la limite, ça peut être... On va prendre le silencieux. Vous avez du goût. Silencieux, ça peut vraiment être pratique.
Flirter un peu, sauvegarder des fichiers pour mon usage perso. T'entends mal, hein. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Bon, je m'excuse d'avance pour le bruit que vous allez entendre là. Bon, désolé pour cette petite pause, pour vous éviter le bruit. Je suis montée là pour rien. Oh. Vous le voyez le chemin là-bas? Ah oui, d'accord. Ben voilà! Du coup, on peut faire ça aussi. Voilà! Ça, on pourra redescendre tranquillou. Si on a besoin. Je sais pas si tu m'entends. Faut que je trouve un refuge. Ouais, il y a une grosse tempête qui se prépare là. Une grosse, grosse tempête. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. Oh.
Pour la peur, mais non. Bon, Dusty, tu peux arrêter de renier ton os, là? Tu fais du bruit. Oh, j'aime pas. J'aime pas les crottes comme ça. Ah oh là là, heureusement qu'il y a le... pour se rattraper, hein. C'était juste. Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin, maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts à... Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi ? Constantin, le prisonnier est prêt, on vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. Des traces. Merde. Ils sont là. Baisse ton arme, Quincer. La gâchette qui me démange, désolé. T'avais bougé, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Tout a l'air calme. Reste quand même sur tes gardes. Attends des invités. J'ai un contact. Oh, putain. Ouais, moi aussi j'ai un contact. Thank you.
Ouais, ça on prend ça. Ça faut pas oublier, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le camion était trop lourd. Bon, c'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Faut pas qu'on prévienne? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher? C'est pas sûr. Constantin a juste donné l'ordre à tout le monde de se préparer. On va attendre. Est-ce qu'il va passer de l'autre côté ou pas? Oui, non. Non. Bah, l'autre, on va le faire à la main. Mais lol, comment je suis descendu? Allez, on ramasse. La première opération sur le terrain pour les Trinitaires. Ah, il y en a encore deux. Non. Okay. J'ai participé au nettoyage de l'île après l'évasion de Croft. Dure mission. Il paraît que vous avez eu à descendre des natifs là-bas aussi. Ouais, ils sortent des sectes qui vénéraient le sol. Oh la vache, le corps il est juste là quoi. Ouais, si c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose là. J'en peux plus de ces trucs. Allez, calmez direct comme ça. C'est bien passé l'attaque de l'observatoire? Ouais, on a récupéré la classe. Il est où lui? Ils sont là-bas. Tu peux fermer hein, si tu veux. Merci. Oh.
J'avais pas vu lui. Oh bah nice. Feu de camp là, on va être bienvenu lui. C'est un seau pour sceller les lettres des Trinitaires. Presque plus personne n'utilise ça. Charger les hélicoptères. Je pensais pas ça. Et passez où l'autre ? J'étais avec Constantin en Syrie. Ouais. Ah oui, je me disais. C'était un sacré bordel. Est-ce qu'on part avec les autres ? Pas encore. Reste bien sur tes gardes et continue à faire tes rondes. Un vrai boulet, c'est là. Alan Croft, il est toujours en cavale. Alors de la ramener en deux. Que les Trinitaires voulaient la recruter. J'en sais rien et je m'en fous. Les ordres sont les ordres. Hé, hey, tu peux me filer un coup de main ? Ouais, attends. Des nouvelles du commandement ? On a de nouveaux ordres. Quand on partira, on va tuer tous les coups. Non mais oh. Vous allez pas me faire griller. Une seconde, j'ai vu un truc.
pas bon. C'est tout, c'était le sol ? Bon bah nickel. Pendentif. Non, c'est un reliquaire moderne. Il contient un minuscule os humain. Saint Pérégrin, saint patron des malades incurables. Nous sommes à l'aube. Une cartouche de fusil. Mais elle a quelque chose de spécial. Ouais, une gravure. Il y a une inscription en latin en bout. Tuez-les tous, tu reconnaîtras les siens. Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Je me suis rapproché cette fois. Ouais. Faut monter donc. Faire un serment. Jonah ! Bon, et bien, suite au prochain épisode, merci d'avoir visionné celui-ci, et puis bah, rendez-vous au prochain. Et bisous!